Unité d'élite des avocats engagés pour la restauration d'un état de droit en Haïti et sans cette centrale société pour un état de droit. On a profité de remercier les amis de la presse qui présent aujourd'hui. Journalistes engagés, journalistes conséquents qui viennent couvrir la conférence de presse. Eh bien, objectif de la conférence de presse, c'est parce que nous estimons que nous voyons que la population est en colère. Population en colère face à diverses frustrations, imprécations qu'elle subit. Mais bien, pas des bonnes armées, pas des groupes armés qui ont le droit de vie et de mort sous la sous vie population. Et dans ce sens, la conférence de presse, la période là, c'est pour être capable de demander au gouvernement pour lui prendre toutes mesures. De temps en temps pour assurer sécurité, vie et bien population. Parce que je dis, la population retrouve une situation extrêmement grave, donc il faut monsieur éviter les dommages collatéraux, parce que les dommages collatéraux vont le rendre mal à venir du mal. Eh bien, nous gagnons 6 points de conférence de presse. Dans 6 points, ça. Premier point, nous lançons l'opération Bac-Ténèbres sur tout le territoire républicain. Lundi, à midi, opération Bac-Ténèbres. Lundi qui date? Lundi 1er mai, opération Bac-Ténèbres. Mardi 2 mai, opération Bac-Ténèbres. Mercredi 3 mai, opération Bac-Ténèbres sur tout le territoire républicain. Un, contre kidnapping, contre vol, contre viol, contre insécurité sur toute forme de population a subi. Dans ce sens, dans la presse, nous avons détaillé pour la presse. 1. Dans le but d'éviter une éventuelle guerre civile, le gouvernement a l'impérieuse obligation de prendre des dispositions et de passer les instructions formelles aux forces de la police et aux forces armées de la République pour assurer sans équivoque ni excuse la sécurité de la population et du pays en général. Ceci afin d'empêcher tout dommage collatéraux face aux actions de la population qui est en colère. Nous constatons deux que la population est en colère suite aux diverses frustrations dont elle est victime de la part des mondes armés, de la part des groupes armés. Et ceci sous les regards complices et tolérants des autorités étatiques qui établissent le pays. Trois, considérant depuis le 29 mars 1987, nous vivons sous l'égide d'une nouvelle constitution qui prône l'indépendance du pouvoir judiciaire afin d'établir un véritable état de droit dans le pays. Pour ce faire, une réforme de la justice de la République est obligatoire. Nous demandons au ministre de la Justice, Madame Prophète Émile Milsé, nous demandons au ministère de la Justice, Madame Prophète Émile Milsé, en tant que garde des sceaux de la République, d'utiliser les prérogatives que lui confère la Constitution et les lois de la République, de passer de la parole aux actes, c'est-à-dire en instruisant le directeur général de la police d'Haïti, national d'Haïti, les commissaires du gouvernement des 18 juridictions de la République, les juges d'instruction via les CSPJ, de prendre leurs responsabilités afin de combattre l'insécurité dans toutes ses dimensions, dans toutes formes et toutes teneurs. À savoir, le désarmement des bonnes armées. Faire juger les détenus se trouvant en situation de la détention préventive prolongée dans les prisons civiles du pays et les gardes à vue. 5. Prendre des dispositions pour combattre les accapareurs des propriétés privées, les cavoles caïmoun, cavoles temoun. Et bien des citoyens avec le concours de certaines autorités et auxiliaires de la justice. 6. Combattre l'insécurité bancaire en permettant aux citoyens d'avoir accès à des sommes déposées sur les comptes bancaires, tant en goudes et en dollars. Et ceci afin d'éviter une insécurité bancaire qui s'annonce catastrophique pour le pays. Et nous dit tout, faut autorité judiciaire, faut autorité étatique, demander
messieurs responsables et EDHO pour la population courant. Parce que blackout égale avec insécurité, blackout égale tout avec insécurité sous toute forme. Et bien, dans ce sens, nous-mêmes dans le mouvement social, nous-mêmes dans l'unité d'élite des avocats pour la restauration de l'état des droits en Haïti, nous lançons l'opération Bat-Ténèbres sur tout le territoire république. Lundi 1er mai, mardi 2 mai, mercredi 3 mai, à partir de midi et 8h du soir, opération Bat-Ténèbres sur tout le territoire république. Et les armes qui sont distribuées, eh bien, c'est quoi le groupe? C'est les États-Unis d'Amérique. Parce que Haïti n'a pas fait ça. Haïti n'a pas fabriqué ça. Haïti n'a pas fait ça. Haïti sous embargo depuis plus de 34, 35 années environ. Quand les armes sont sorties, les armes sont sorties les États-Unis d'Amérique. L'Amérique est responsable. L'autorité américaine est responsable de ce qui a passé à Haïti. Et ce qui a passé à Haïti, c'est parce que nous sommes jaloux de l'indépendance pays, nous sommes jaloux de la bataille sans cette. Je dis à nous écraser l'indépendance, nous diviser petite nation, nous diviser tout le monde. Et nous dit, monsieur Matissan, monsieur Grand Avignon, monsieur Torsel, monsieur Nalatibonito, monsieur tout côté, tout le monde qui a des armes, qui a instrumentalisé nous, qui a utilisé nous, qui a fabriqué nous, qui a robotisé nous, pour nous écraser l'indépendance dans cette vie, monsieur déposer les armes, parce que l'union fait la force, nous pas capable de craser le pays comme ça, parce que si nous ne déposer les armes, la population est en colère. Population liée en colère, population liée en colère, ça cala quand même. Donc, son bas ou déplorer. Non, c'est parce que ça tient de l'absence de l'État. C'est parce que l'État n'est pas présent. C'est parce que l'État n'a pas rempli mission convenablement. Parce que mission l'État, l'État a pour mission créer harmonie sociale dans notre société. L'État a pour mission permettre que la population circule librement. Parce que liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Donc, et pas la population aujourd'hui qui t'a dû à faire légitime défense. C'est parce que nous avons l'absence de l'État et nous toujours dire, si nous mettons l'armée campée, mettons l'armée campée. Parce que nous sommes capables de prendre l'armée de 100 000 hommes qui vous baillent payer la sécurité. Nous sommes capables de prendre la police nationale de 50 000 hommes, de 100 000 hommes pour nous payer la sécurité. Quand l'argent pays a passé, l'argent qui est dans la caisse de l'État, ça nous fait avec. Je dis à nous que nous prenons l'argent de l'État, nous achetons caille, qui prend l'argent de l'État, nous fait créer. Eh bien, petit l'État, nous avons créé chômage. Bon, bon, jeune garçon de la guerre, nous avons calé l'armée. Bon, bon, jeune garçon de la guerre, tout, jeune fille de la guerre, nous avons calé l'armée. Nous avons calé la police. Il faut que nous payions la police bien, il faut que nous payions la justice bien. Et je dis à ça qu'on fait là, la justice responsable, l'État responsable, l'autorité responsable, ce n'est pas la population qui a fait. Ça veut dire que nous demandons, l'État, il faut qu'il prenne toutes les mesures drastiques, toutes les mesures obligatoires, à ce que pour accompagner la population, pour qu'il y ait de la sécurité dans le pays. Parce que 300 coulés, 300 coulés, 300 coulés. Faut l'État pas mettre les prospectifs dans les oreilles. Si l'État va faire rien, l'État accomplit de tout ça qui a passé dans le pays. Merci. D'accord. Revenons donc, s'il vous plaît. Maître Franz Jules, coordonnateur général, unité d'élite des avocats pour la restauration de l'État des droits en Haïti et pour la libération des prisonniers politiques. Et ça fait la société pour l'établissement. Merci. Population battée, mais comment la population doit battre? Un, les qui ont des casseroles, chauffeurs machines, chauffeurs moto, à partir de midi, lundi 1er mai, ferme temps de nous. Les gens dans le quartier populaire, ou bien chaudière, frappe casserole. Les gens qui ont des poteaux électriques, frappe poteaux électriques. Klaxonner, klaxonner, bat bruit, fais entendre nous, fais ancêtre entendre nous tout, fais l'état entendre nous. Pour nous capables de sécurité dans le pays. C'est ça que fait, dans ce sens, demander opération Bat-Ténèbres contre kidnapping, contre insécurité, contre vol, contre assassinat. Trois avocats mourir, trois journalistes mourir, trois personnes sérieux mourir dans le pays, trois paysans mourir, trois produisants mourir. Les gens dans la Tibonite, soufflez l'ambinou. Paysans, soufflez l'ambinou. Soufflez l'ambinou. Soufflez l'ambinou. Chauffeur machine, chauffeur taxi, chauffeur camionnette, chauffeur moto. Cassonner opération Bat-Ténèbres lundi 1er mai. Mardi 2 mai, mercredi 3 mai, sur tout territoire national, là, opération Bat-Ténèbres lancée. C'est Maître Frangil, avocat engagé pour libération nationale. Merci. Donc seulement 3 jours. Sur tout territoire national, là, pas de sécurité. Mon Dieu doit dévier des mots sur tout territoire national. Là. Je dis à nous parler des élections. Nous ne pouvons pas mettre grâce sur grâce. Nous nous arrivons vraiment pour gagner l'élection dans le pays. Mais il faut qu'on préparation. Il faut que la sécurité,
faut que la population ait confiance. Et puis tout, faut que l'État ait une réconciliation nationale. Faut que l'État capable de restaurer l'autorité de l'État, pour le restaurer. Nous ne pouvons pas aller en route vers les élections. Parce que il y a trois problèmes qui posent dans le pays. C'est pour cadeau nous faire rien pour nous être sous pouvoir pour l'État et l'éternité. Mais la population, tout, faut le bataille pour l'élection arriver faite. Le seul façon que la population bataille, il faut lever en haut, lever en bas. Il faut le bâtir de sécurité. Il faut l'État tout des populations, tout pour les populations jeunes sécurité. Et laisse à tout fond l'État pour un climat de confiance, pour un climat de paix, pour un climat de tranquillité. Laisse à nous aller vers les élections. Je dis à la bonne de qui est comme vous, la bonne de qui est comme kidnapping, nous ne pouvons pas aller à l'élection. Donc, c'est ça que nous lançons. Opération Bat Ténèbres, son énergie, son force spirituelle, son force mystique liée, ses forces ancêtres. Donc, nous ne pouvons pas arrêter comme ça pour aller à l'élection, pour chercher l'énergie, pour chercher force là. Avant, pour aller à l'élection. Ariel Henry, opération Bat Ténèbres, faut entendre. Commissaire gouvernement a entendu opération Bat Ténèbres. Pays attend l'opération Bat Ténèbres, lundi, mardi, mercredi, du 1er, 2-3, à midi, à 8h du soir, opération Bat Ténèbres. Pour la presse, jour qui, 26 avril 2023. Nous saluons tout le monde, la presse parlée, écrit, acte télévisé, acte média en ligne, qui vient couvrir conférence pour la presse, SOTA, qui c'est syndicat ouvrier, textile à habillement. Objectif conférence de presse, c'est pour annoncer un gros marche pacifique dans l'occasion journée 1er mai. Comme nous tous connaissons, 1er mai c'est jour commémoration bataille lutte ouvrier travailleur sur toute la terre. Nous mêmes en tant que syndicat ouvrier combatif à l'autre organisation alliée nous yo, n'a prend la rue dans un gros marche pacifique pour nous porter revendication ouvrier ouvriers yo devant l'État et patron. N'a fait solidarité à enseignants yo qui a fait grève pour forcer pour ministère éducation nationale payer salaire yo depuis plus passé 3 mois yo pas touché. À plus bon condition pour retourner dans salle de classe yo. N'a fait solidarité avec paysans dans zone Piat nan Mori papa dans plateau central Pitobe nan Wanamet qui continue victime en bas mes grandon ak nèg zam k'ap fè dapiyan sou terre yo même jan sa fait nan divers l'autre côté. N'a dénoncé attitude manfoubin gouvernement qui pas fait rien pour améliorer conditions la vie et sécurité dans pays a qui la cause en pile usine a fermé porte yo parce que nèg exam pas suspend prend conteneur rempli à matière première usine yo ça qui fait donner d'audio client yo a réduit commande yo te kon place nan peyi a. Situation sa, la cause nou perdi plus passé 20 000 emplois nan secteur textile la. A cause crise politique sans pareil à insécurité planifiée qui blayi nan peyi a. C'était Pierre Josué, coordonnateur général Sotabou. N'a dénoncé gagot à gaspiller à corruption qu'a fait dans l'état pendant les femmes dans gouvernement a renforcé privilège dans ramasser accumuler l'argent dans l'état pendant valeur réelle salaire nous même ouvrier à travailler à diminuer chaque jour plus et a forcé nous payer toute qualité taxe et impôt tant que 15% IRI à 1% CFGDCT 1% FDI à 1% CAS sans nous pas joindre aucun service tant que courant, bon jan route, l'école et l'hôpital, l'état de qualité et la tri. C'est peut-être ça. Nous avons exigé pour le gouvernement passer abattement IRIA à 410 000 goudes pour Pipiti et faut que vous payez sous base
ça nous fait dans 24 sous-payroll dans fin année. N'a pas exigé une vraie augmentation salaire année ça pour toute catégorie travailleur dans pays, même gens à enseignants qui ont demandé augmentation à plus bon conditions de travail. C'est dans le contexte de la crise économique, ça. Politique et insécurité totale pour 1er mai 2023 qui vient là, nous-mêmes dans Sotabou avec l'autre organisation alliée, nous avons lancé un marche pacifique dans Port-au-Prince. Nous avons invité tous les ouvriers et ouvriers dans la factory, travailleurs dans le petits paysans, petits marchands dans la Rio, à tout le secteur dans le pays, tant que travailler dans l'hôtel, dans le magasin, dans la maquette, pour faire l'école, petit personnel dans l'institution de l'État, étudiants, moun kap travay kay moun yo, chome ak mas populè yo, ki debra pandye le kati populè yo, ki pa kon ki sa pou fè an ba gran gou ak insécurité planifié ya. 1er mai 2023, fòk nou gonfle fòs nou pou nou konstrui yon gros mouvement lit autonome, revendikatif ak combatif, de mas ki ma konnen lit ouvriye nan izin production yo ak travayè, kou chome nan kati populè yo, pour nous changer la situation nous y journée jeudi. Rendez-vous cassé devant Parc Sonapi lundi 1er mai 2023 à partir de 9h du matin, nous tous doués là. À bas 685 gouttes poitrine, à bas insécurité planifiée, à bas l'état corrompu. Vivons 1er mai revendicatif dans l'intérêt de tout ouvrier et travailleur exploité. Vivons salaire vital pour tout ouvrier et travailleur ak bon jan système de protection sociale. Vive lutte travailleur, vive lutte revendicatif ouvrier. Merci. Aider pour nous aider nous sensibiliser ouvrier pour comprendre enjeu question. Une bagay qui gagne c'est que yo di nous c'est insécurité qui permet à ce que patron yo pa gagne assez de commandes. Donc la commande yo pa gagne yo di yo pa ka travailler et 6 jours par semaine comme ça tu le fait avant. Mais nous pas oublier tout. Tu gagne yon en loi 38 qui pour le moment yo mettel un petit côté tout petit mais pas grand rien qui fait nous connaître que c'est pas loi 38 là yo décidé pour faire ouvrir pas joindre dimanche là. Et ça fait nous-mêmes comme ouvriers, nous-mêmes comme syndicalistes, nous avons fait plaidoirie pour nous forcer par le travail 6 jours par semaine parce que chaque fois que nous ne travaillons pas 6 jours par semaine, non, dimanche, non, nous ne pas joindre ni. Et c'est ça, la loi 38 la tibaye comme avantage. Nous avons avec plaidoirie qui fait, il n'est pas en fonction d'un moment, hein, mais pas capable d'utiliser le même moyen ça pour nous dire, nous ne doit pas travailler, mais tout, nous-mêmes nous exigeons, faut que nous travaillions 6 jours parce que nous ne pas travailler 6 jours, nous ne pas joindre dimanche. Non. Madame, Maman Jombay et Asakamad Henri disent, sous même question réduction jour de travail, là, pas oublier que automatiquement on réduit jour de travail, on réduit tout quantité de nombre d'heures qui gagne dans le travail. Là. Pas oublier que 1er mai, c'était une bataille qui était faite à travers le monde pour te mettre. Pour te réduire 16 heures de temps de travail, qu'on a travaillé dans le monde, tu te réduis à 8 heures de temps de travail. 8 heures de temps de travail, c'est force courage que nous avons en tant qu'ouvrier dans l'usine. Nous avons. Pas tout le décidé que nous pas appliqué la loi 3-8 de façon organisationnelle, mais nous avons utilisé une façon pour nous appliquer de façon indirecte sur nous-mêmes. C'est ça fait que nous-mêmes, que, en tant que syndicalistes, nous disons non, faut que autonomie ça, bataille ça, nous te bataille en pile pour nous te gagner 8 heures de travail, nous ne pas doué prendre la main nous. Nous doué quitter le jean lien et payer nous normalement jean lien. C'est ça fait, en pile côté dans l'usine, nous avons un exemple qui est très clair, dans Digno Manufacturing, qui c'est une camarade qui est là et que tout le monde sait qui là yo fait partie de l'usine ça que aller villa faire yo a faire tort a faire abus
Moi pas voulez parler non non yo, moi voulez que bayo la parole pour yo parler, pour yo dire que ça patron à l'envie la fin ou passé. Et bon, est-ce que ça va rencontrer là nous gagner en mai pour travailler 6 jours comme ça. Est-ce que ça va rencontrer là nous gagner? Ce qui base aujourd'hui là, yo campé contre ça. C'est une violation liée, son violation normalement liée. Son violation que liée, que tout patron yo prend excuse, insécurité qui gagne, mais son violation automatiquement liée. Okay. Madame, c'est Pierre-Robert Mathieu, représentant coalisation. Syndicat dans l'usine là, qui s'est digne au manufacturing SA, nous sous couverture sur tabou. Nous c'est environ 1700 ouvriers qui laguent dans la rue depuis le 5 octobre 2022. Et de situation insécurité, Britsoukou usine n'a fermé depuis le 5 octobre, j'aime dire. Nous avons près de 7 mois dans la rue sans toucher. Et que selon ça, article 33 code travail lundi, après deux suspensions temporaires, patron n'a pas l'autre chemin que payer tout ouvrier lié qui c'est prestation légale avec dédommagement. Moi, ma ce qui se passe à la affaire sociale prononcée sous dossier, lui écrit patron usine qui c'est Alain Villard pour lui payer ouvrier jusqu'à date Alain Villard fait la soupe d'oreille. Il n'y a jamais aucune réponse. Nous-mêmes, qui s'en a demandé, qui c'est 1700 ouvriers qui l'ont dans la rue, pour aller prononcer, pour dire qu'il est là pour payer nous, prestations légales nous, avec des dommages. Ok, vous pouvez continuer avec Sakama à la sortie. Nous avons une situation comme si qui dépassait terrible. Vraiment, nous avons des situations comme à dîner au passé là, donc ce bail qui est triste et désolant. Mais moi-même, tout cas, parler avec nous là, moi, c'est bien national, je travaille dans l'ANSAI, à ITSA. Donc, moi, j'ai signé un contrat avec l'ANSAI, alors, tout ouvrir, vous dites mieux. Un contrat à 48 heures de temps, qui veut dire 6 jours par semaine, 6 jours de travail normal. Donc, tu veux venir dans certains temps, tu veux dire que la situation est payante à cause, tu es obligé de réduire, de retirer samedi dans 6 jours pour une durée, de rater 3 mois. Ça a été passé le 25 mai. 2022. Et jusqu'à présent, ma parole là, il faut retourner sur décision comme si pour t'a rebalancer avec samedi. Le pire, il est obligé de réduire encore, de retirer vendredi à pour 2 mois. Ça veut dire, bah, il y a vraiment intérêt pour nous. Pendant le cas où on a touché 6,85 gouttes, on imagine moi-même, je suis cafou, en ce cas, pour venir là, je vais payer 100 comme machine, si tu n'as rien à faire, je vais pas compter, j'ai besoin de 80 dollars. 400 piastres nationales pour me venir là. Pas oublier les mouvements de papa là, il faut manger un petit bain le matin. Donc, je ne vais pas rester là, je ne vais pas me risquer de tomber. Parce qu'on m'a pris le cap sous zem, donc il faut me faire. Et à 11h, je vais manger le marché au vent. 250 gouttes et plus. Et 250 gouttes là, ce pas d'apprendre, viennent à un pile méprise. Ma chaîne dans la roule. Après ça, il faut au moins faire un bon les me dit blou, on doit s'y crier. Avait dit pour montrer nous qui valait dépenses qu'on a fait pour la petite 5,5 gouttes. Nos pays pas de gaz, pas aucun fonctionnement. Donc, m'a demandé l'État ici en soi. Moi, avant ma demande, c'est ma patron, m'a demandé direct à l'État ici même. Définitivement, qui sort comme si qui s'est réservé pour la nation. Nous même ouvriers qui travaillent, qui mettent cop dans la poche patron, étranger, et puis l'État haïtien. On dit qu'à ce que c'est pour nous parce que la situation est là, elle est terrible. Nous parlons de FACMA, surtout moi-même, dernièrement, là, je me suis décassé avec un pile de difficulté. Avec ça, je me suis fait défendre, me récupérer quand je suis marché droite. Actuellement, je ne parle pas de la demain, je vais parler dans le mail parce que dans l'accident de travail, il n'y a pas de travail, il est tombé. Dans le courrier, je ne sais pas. Si elle crie, elle me crie, mais ça, qui ça me fait? Si possible pour nous jeune nous cap dit je m'a même d'a comme saute l'âge nous mal adressé ma veu pour nous même ouvrir dans soulagement parce que ba qui triste et désolant côté nous là si l'état d'accord pour venir plus mal nous tout a mouri nous tout a mouri on va commencer à le pour mettre nous ça gagne quelques
environ 7 à 8 mois, on était ici, bah nous, on a fait des. On dit que je vais changer de nombre en route, même si j'ai des 1300 dollars. 1365. On a fait des 8000 combien de routes comme ça? 1360. Vous comprenez? Donc, on y a au point maintenant, là, encore, chaque jour, on a dit un peu, on a dit à Bali, tel. Maintenant, l'État, on a dit qu'il y a un pitié pour nous. On ne parle pas avec parce que nous, on a dit qu'il y a un peu. Mais sauf que je connais grand parce que le syndicat, et c'est syndicat, pas n'importe quel gars, c'est sur tableau qui veut dire syndicat ouvrier, texte à la bataille ouvrier. Donc, je viens de décembre avec l'État à pour nous, toute masse ouvrier des doumes. Pour nous dire l'État, on t'y crasse pitié pour nous, parce que nous-mêmes, nous sommes nous, nous avons une façon de vivre. Tant pris, s'il vous plaît. Question 685, vous demandez nous le plus vite possible. Pas quitter moi, mais à finir pour pas avoir une solution avec nous. Parce que pas grand rien qu'à faire pour nous, mais surtout nous-mêmes qui dans une zone comme ça qui peut reculer, qui peut avoisiner une zone à l'aéroport là. Mes amis, c'est triste et désolant, tant pis l'État, on t'y casse-pitié pour nous. Pour la vérité, pour l'histoire, actuellement la grosse l'huile vend 17 dollars ici. Je ne parle pas de dollars ici, je ne parle pas de tout le goutteau dans la technique. C'est un tableau de 5 piastres, on grosse l'huile. Donc on t'y va me dire, il y a avoisiné le même 3 fois. Donc si l'État, on t'y casse-pitié pour nous, au moins, l'État de Banou 2500 gouttes, on tarif, l'État de plus toujours. Mais si l'État a un petit pitié pour nous, au moins 2500 gouttes. Minimum. Il va faire rien, non? Parce qu'elle va pas acheter, elle va mettre son travail. Ok, merci.